Je dis pas qu'on va tricher, mais si par exemple j'ai oublié de l'eau, il y a peut-être des émotes eau. Je comprends pas qu'il y a pas des mecs qui commencent à se lever, ils déchirent leur t-shirt, ils deviennent dingues hein. Je t'aide et tu veux pas m'aider? Nice, ok, chacun pour sa gueule. D'accord, je vois l'ambiance de cette Dylan. Envie de crever. Rugby, tout se passe comme prévu? Mais non, mais mon frérot, mais t'es capitaine toi. Allez, salut, salut. Bravo, bravo les règles. Bravo les règles. Ah, salut! Comment ça va ici? Bonjour. Ouais, je lance, hein, moi. Ce soir, c'est Zilan. Alors, le format, est-ce que j'ai envie de vous le réexpliquer? J'ai rien compris au format. Et pourtant, il y avait une vidéo qui était bien expliquée. Concrètement, là, on va jouer à trois jeux ce soir. Minecraft, Trackmania et un puzzle. Et les 40 meilleurs sont capitaines. Il n'y a pas d'élimination sur les trois prochains premiers jeux, déjà. Là, en fait, les gens vont sélectionner des joueurs pour ensuite constituer une équipe de 5. Premier jeu, ça sera Valorant. Soit tu gagnes, tout va bien. Si tu perds, t'es éliminé. Donc en gros, moi, j'ai commencé à mettre des petits pots de vin à droite à gauche pour faire partie d'une équipe où l'idée, c'est de faire partie de le capitaine, deux protégés et deux chairs à canon. Ouais, j'ai effectivement le code, ouais, je suis dessus là. Annonce, annonce. Ah, tout se joue, ouais, tout est là. Et boum, et ça, faut surtout pas le leak, ça. Mais évidemment, surtout pas. Bah, c'est risqué, hein. J'ai le launcher, t'as vu un peu? Join room, j'enter le petit code, connect. Il y a tout le monde, c'est bon. Il y a tout le monde. Et on est tous sur la même map? Ça me semble bizarre. Je t'ai mis en difficulté, Sibou, je t'ai... Hein? Ah, on a la même seed, ok, d'accord, ok. Si tu peux être précise... Pardon, excuse-moi, je rigole. J'adore rigoler, en fait. Non, oh, c'est vraiment mon truc. Quand il y a moyen d'être un peu un bout en train, c'est... Ne nous fais pas de l'émotonly. Bon, après, vous allez pas non plus dire des dingueries, tu vois, dans le sens où pendant une demi-heure, c'est peut-être mieux émotonly. Comme ça, limite, je dis pas qu'on va tricher. Mais si, par exemple, j'ai oublié de l'eau, il y a peut-être des émotes haut. Je sais pas trop comment... Tu vas ou genre peut-être à droite, peut-être à gauche. Alors on est prêt à lancer. On fait un cri de guerre. Cri de guerre. Vous m'entendez les joueurs? Oui. Ça va être crazy, ça va être crazy. 3, 2, 1. Crazy time. Je vais tout de suite me mettre en F1 histoire de voir un peu. Donc je suis directement dans le village, ça fait plaisir. Je vois que la Zilan de plus en plus ça devient casu apparemment. Là ce que je fais c'est très simple hein. Pour l'instant je vais pas checker les bâtiments. Je vais tout de suite checker s'il y a pas plutôt un portail. Ah je vois du cheval, je vois pas de portail, je vois pas de portail. Attention aux ender pieuvres là-bas là. Oh y'a un coffre. Wow y'a du bread. Je t'ai donné l'info. Oh j'ai l'impression qu'elle cheat. Eh c'est quoi le bouton pour regrouper tout ensemble? Je t'aide et tu veux pas m'aider? Nice, ok, chacun pour sa gueule. D'accord, je vois l'ambiance de cette Dylan. Sympa, sympa, bah pas de problème. Bah, moi je suis déjà super avancé dans ma run, donc j'ai aucun souci avec ça. Ok, donc pour l'instant c'est bien. Oh, y'a un mec, il est en feu devant moi. Pour le bouffon. C'est peut-être une fin de Dylan pour toi, mon gars. Est-ce que je peux pas faire cuire un truc? Si je fais cuire ça, il va me redonner le feu, non? Non, oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde, c'est de la merde. Je récupère la source. J'ai l'impression que c'est bon là. Je suis totalement dans le nether. Mais je suis un fucking boss! Et toi, petit bouffon, t'es où là? T'es où? Regarde, il y a la cape, petit bouffon! T'es mort combien de fois, petit bouffon? Hein, petit bouffon? Alors, il y a un truc avec F3 là de mémoire. Est-ce que j'ai des binds ou pas F3? Ah non, F3. Oh putain, il m'a dit c'était quoi le truc à 45? Il y a un truc qui monte de ouf. Et si jamais ça monte de ouf, c'est la forteresse. C'est le E, ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de forteresse là. 21. Mais ça serait pas une forteresse ça? Attendez. Mais attendez, c'est le pont! C'est le pont! Depuis tout à l'heure, je le cherche, je suis devant! T'es au bout du truc? Putain. Tu... Ah mais il est 29, ah c'est fini? Ah ouais, 30 minutes en haut à droite. Hein. Oh, je l'ai eu en 17. Hein. Donc, tranquille. C'est imminent. C'est mais totalement imminent. Là, le stress, hein. 9 minutes. Hein. Chaque 9 minute minutes. Qui passe, ça met une petite pression quand même. Mais en fait, je pense qu'il faut pas regarder le temps. Tu vois, il faut avancer tranquille. Ah oui! J'ai pas réussi. Non, ça c'est doigt que ça. Regardez cet abruti. Bon après j'ai pas été très bon. Tout le monde a réussi, regardez ça c'est Gomard, Trivia. Tu vois toi tu veux. Surtout que j'ai 0,5 sur Valorant donc en fait on va se taper des barres quoi. Ok. Moi je n'ai jamais j'ai pas lancé le jeu. Ah ouais Valo t'es nul. Ah, moi je suis pas mal. Honnêtement Valo je suis capable de clutch. Mais après ça dépend contre qui on tombe donc c'est tout le truc quoi. Ok ça marche, vas-y. Non Max il est pas capitaine je crois. Non je crois pas, de toute façon là il y a les capitaines là. Il me semble pas. Bon je te redis hein, du coup. Vas-y ça marche. Ça roule, vas-y parfait. Salut. Ouais dis-moi. Enchanté. Bah ouais, vas-y, faisons une photo avec plaisir.
Merci, vas-y, ciao. Oui, parce que, excusez-moi, non, en fait, non, je suis désolé. Non, parce que vous avez l'impression de voir un pote à vous, etc. Mais je suis une star, en fait. Voilà, juste... Non, c'est bien de remettre l'église au milieu du village. Non, mais là, pour moi, mon plan idéal, c'est Kenny. Le souci, c'est qu'il y a étoile. Et du coup, moi, je veux soit avoir un gars qui est capitaine et qui... Ah, il y a Ken qui arrive. Oh là là, il y a de l'info, je dois en être là, sinon je vais me faire ça. Le plan en fait, c'est que il y a bien Rayou, il y a bien Bibi, il y a bien moi, il y a bien un viewer, mais il est plus là quoi. Mon gars. Le silence s'il vous plaît. Bravo Kelly. Croco aussi. La Théo. Gomard. Arsnif qui a choisi Domingo. Même si vous gagnez. A priori, Arsnif qui a choisi Domingo. Ah. Tout simplement. Ouais. C'est ça mon gars. Ah sa mère la pub. Okay. Ah salut. Bah écoute, très bien. Je suis super content d'avoir été pick là en plus par Arsnif. Donc bah très tôt, first pick, c'était un peu inattendu, mais on avait pu se parler un peu. Le plan se déroule comme prévu là. Bravo les gars. Envie de crever. Rugby, tout se passe comme prévu. Totalement. Ça va ? C'est tombé sur toi ? Ça va, putain ? T'es blessé ? Non, ça va. Putain, oh là là. J'ai ragé full. Et ça, c'est que la première ! Oh là là, vous le voyez, j'ai cassé ma cam. C'est exceptionnel. Toi, t'es un tryharder Smash, toi, c'est ça, non ? Je suis un joueur Smash, ouais. Faut que je te raconte une anecdote avec ça, d'ailleurs. Ah. On s'est joué sur Smash en 2004. quand tu faisais ton émission sur NRJ à l'époque, j'avais quoi, 14-15 ans, ouais. Je t'avais appelé parce que mon père était malade. Oh non. Et je t'avais appelé en disant ouais, mon père est malade, etc. Mais ton émission elle me fait du bien et elle me rend le sourire. J'ai été horrible. Attends, je dirais que tu vas dire un truc. On dirait que... Et en fait, non, j'ai fait un canular. Non, je rigole, pardon, excuse-moi. Non. Et tu m'as dit, ah bah tiens, pour te remonter le moral, on t'offre une Switch. Ah. Et moi, à la base, j'aurais pas une Switch. Ma mère, elle a pas l'argent pour m'acheter une Switch. Donc ça m'a permis de jouer à Smash, de pouvoir acheter le jeu et de devenir pro. Du coup, sans toi, je serais jamais devenu pro sur Smash. Mais non, mais mon frérot, mais t'es mon capitaine, toi. Ah, ça me fait plaisir que tu m'aies pris, du coup, c'est incroyable. Bah ouais, parce que je te dois quelque chose. C'est grâce à toi. Oh là là, mais ça, c'est incroyable cette histoire. Je trouve cette anecdote trop drôle. Une pause, ça arrive. 35 HP. Un garage. Bien joué. One enemy remaining. Ah, récupère une arme. PA, récupère une arme. Il veut écho. Ah non. Super, bien joué mon gars. Gros round, tu nous as claqué là, bien wesh ça. Tu peux remettre quelqu'un en fait. Attends. Bah tu vas le tuer, Oh les gars, bah écoutez, regardez, il y a le Dwag derrière. Toujours en vie, toujours debout. Demain, Zilan, ça continue. En vrai, on s'est vraiment bien marré. Total escroquerie, etc. Bête de rencontre, c'était très sympa. Allez. Quoi ? Mais il y a des trucs qui m'ont... Mais c'est quoi cette merde ? Il y a des fausses plateformes maintenant, c'est ça ? Va te faire foutre, c'est bon, moi. C'est un cauchemar, le truc. J'avais tout bien fait. Mais c'est un truc, tu deviens zinzin, poteau. Hein. C'est une expérience, ils nous ont foutu dans un hangar. Je comprends pas qu'il n'y a pas des mecs qui commencent à se lever, ils déchirent leur t-shirt, ils deviennent dingues. Hein. Là, il y a un trou au milieu du pont. Comment ça... Ah, je te jure, je t'ai pas poussé, frérot. Je te jure, j'ai pas poussé. Est-ce que j'attends pas, lui ? Oh, c'est vrai que c'est rigolo, excuse-moi Chop, putain. J'ai joué 3 heures J'ai joué 3 heures. À Golf Gang, honnêtement, j'aurais pu clutch. Là, bon... je sais pas trop, quoi. Attends, ça va être annonce. Ça va, mon frérot? T'es éliminé? Je sais pas, je vais chercher la nouvelle. T'as fait que Trackmania? Parce que le loser va gain, y'a pas d'infos. Donc, mais tu vas bientôt le comprendre, par toi-même. Est-ce que c'est un bon début de journée de ton côté? Là, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que je suis littéralement le dernier mec? Parce
parce que je pense être parmi les plus faibles scores de Trackmania. Donc si je suis le plus nul au Trackmania, je suis littéralement le dernier de l'Asie. Mais est-ce que t'as joué avec les mecs qui étaient éliminés au jeu quand on était 5? Ouais. Ah, t'as joué avec Jean Massier et tout? Oui. Ah ouais. C'est pour ça que je dis, je peux être dernier, gros. Je vais être 200ème sur 200. Non, il y a 3 mecs qui sont pas venus, mais... Bah, t'as leur blast que je les remercie, j'en fais un petit tweet. Au début, je comprenais pas que tu voulais parler dans le micro, je me suis dit, mais il veut me pécho ou quoi? Frérot, je suis streamer. Bah, moi, il y a des gens qui me regardent. À côté de toi, j'ai tout oublié, voilà. Tu m'as fait. J'ai un petit casse si tu veux. On est si bien comme ça. Je comprends pas. Pourquoi tu me proposes le casse? Bon, attends, je vais voir si je suis. Depuis tout à l'heure, je l'ai là. J'étais en mode, mais. Ah, c'est mon frérot, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je me disais, putain, mais c'est vrai qu'on est proches quand même. Allez les gars, on est parti. C'est top 10, ou alors c'est retour à la maison. On est 50, il n'y en a que 10 qui passent. Dégage. Pas de pôle capturé là. Faut que je me barre, je vais mourir. Il a pas capturé le pôle, je suis encore en vie. Je suis encore en vie, le pôle a pas été encore capturé. Jeu dangereux hein. J'ai plus que 2 vies du coup. Waouh. Laisse-moi, on se laisse. Comment ça? Mais pourquoi je peux pas moi? Pourquoi je peux pas ta mère putain? Mais pourquoi je peux pas moi? J'ai sauté avant. Je fais 39 points là-dessus. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi je vais pas au bout. Je saute avant dans le truc ou quoi? Moi j'ai un demi-boost. J'ai gratté hein. Je gratte combien là-dessus? 55 c'est tout. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus. Oh, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pour se foutre dans le top? C'est le dernier round hein. C'était là. Ah mais attends. Ah mais faut pas être top 20, faut être top 10. Ah j'ai cru qu'il fallait être top 20. Oh, je suis con, bah je fais 19 en tout cas. C'était une marche 243, il me manquait quoi? Il me manquait 70, c'était une marche qu'on pouvait franchir. Après voilà, hein, c'est comme ça aussi. Dommage, 19 sur 50. C'est une fin d'aventure ici, sur cette Zilan. Les amis, une fin d'aventure. Mais honnêtement, je suis super content. Je suis vraiment super content parce que j'ai hésité à le faire, c'était bourbier de ouf parce que vous captez un peu les timings, jeudi soir c'était basket donc on avait beaucoup de choses à faire, mercredi là c'est Talk Chef, au milieu il y avait Zilan mais j'ai senti que bah, déjà Zera honnêtement avait envie aussi d'ouvrir sa LAN tu vois à des streamers un peu plus casu et tout. Et je me suis dit vas-y j'y suis pas allé l'an passé alors que je les avais toutes faites sinon. Je vais retenter tu vois. Au pire bon bah c'est une mauvaise expérience ou une expérience pas ouf et tant pis. Bah honnêtement les frères je me suis régalé tu vois.